Allô. En fait, coucou. J'ai pas dit bonjour. Je vous fais dédicacer petit à petit les cartes là. Je commence à avoir pas mal de streamers, mais je suis loin de tous les avoir, donc va falloir que j'y pense sérieusement. Ça va être dur le focus à chaque fois. Hein. Coucou Zeyoun. Comment vas-tu? Bon, c'était un test. Je voulais voir si du game dev en live ça vous intéressait. Je pense que c'est un peu compliqué à mettre en place. Donc là, je fais des petites illustrations qu'on pourra utiliser pour le jeu. Et ça me détend aussi un peu, parce que j'avoue que il y a la fatigue là qui commence à taper. Voilà. Finalement, j'ai dormi à chaque fois dans la salle, donc par terre. Donc ça commence à taper. Hein. C'est vrai que j'aimerais bien, il faudrait que je regarde quand je retourne à Lyon, d'améliorer mon setup pour vous faire des live dessins de qualité. Mais bon, je pense qu'il faudrait que je rachète une caméra. Wow! Et un don de Guy. Oh là là, incroyable, merci Guy. En plus, tu montes direct dans les plus généreux donateurs avec tes 30 euros. Incroyable, Guy. Du coup, ça veut dire quoi? Du coup, ça veut dire qu'on a avancé sur les donation goals. On est passé à 205. Oh, 205, j'ai dit que j'ai arrêté de fumer les clopes. Mais c'est trop dur, Guy. Vraiment, c'est trop dur. Vas-y, négocions. Est-ce qu'il est possible de choisir un autre défi que le tapage de fumage de clopes? Parce que là, j'avoue, je commence à être à bout physiquement et que j'en ai besoin. Non, il a dit juste pour le plaisir de t'empêcher de fumer. Non! S'il te plaît! Vous remettez un cimetière à côté? Bah, on nous a enlevé notre cimetière. Ouais, donc vous en faites un. Voilà, nous, on respecte les traditions. C'est beau, ça. Faut garder en mémoire ceux qui sont tombés au combat. Oui, parce qu'il y a BFM qui est passé. Et donc, du coup, tous les cadavres de bière qu'il y avait autour de mon ordinateur, ils m'ont demandé de les enlever. Et même ma mère a jamais osé. Bah, du coup, je me suis exécuté, c'est caritatif, tu vois, j'ai fait un effort. Bon, du coup, à chaque fois qu'il y a un don de plus de 5 euros, on a un défi. C'est qu'on va aller voir, on va trouver un streamer, et pour les enfants, bien sûr. On va aller trouver un streamer, et je vais aller faire une petite danse sexy avec mon masque de grenouille. Ouais, le palier des enfants, je suis prêt, de la cigarette, je suis prêt à négocier, mais s'il vous plaît, laissez-moi mes clopes. S'il vous plaît. Allez, on va aller embêter Kay. Je vous mets le lien de sa chaîne. Si vous voulez aller voir sa chaîne. C'est tellement chaud là-dedans. Ah, il y a eu la petite danse. Ce dessin, je verrais bien ce perso dans du JDR, ambiance Goonies, Off Tail, Off the Loop, une Stranger Things. Ouais, bah merci en tout cas du compliment. Et bah c'est un peu l'idée du jeu. Ah, tu sais peut-être pas, t'as peut-être pas écouté t'as peut-être pas vu la VOD où je parlais un peu du projet du jeu. Mais ouais, j'aime bien l'idée du jeu. Après, je sais pas si on aura le temps de vraiment faire comme il faut. En fait, le truc c'est que ça, j'ai le cul entre deux chaises. J'ai envie d'attendre les gens pour qu'ils participent, mais en même temps, on est dans une session où si on part dans un délire, il faut le finir aujourd'hui, et du coup, je peux pas prendre du retard. Donc là, je suis en train de me dire, bon, on accepte qu'on le finira pas aujourd'hui, mais au moins, les gens pourront venir participer. Et puis, on le finira plus tard pendant des lives, tu vois. J'aime bien l'idée, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seraient intéressées pour avoir un jeu à jouer avec ces gamins, quoi. Et oui, on a absolument pas besoin de tuer des gens, je suis totalement d'accord, c'est un truc qui me... Alors, Fall Guy. Bah, j'aime bien, moi, tuer des trucs dans les jeux, mais j'aime bien aussi qu'on me propose d'autres choses, quoi. J'aime pas le systématisme, tu sais. Dès que ça devient systématique, moi, ça me pose problème. Et surtout, pour jouer avec ces gamins, c'est quand même cool d'avoir une autre proposition que de tuer des trucs, quoi.
on peut leur apprendre d'autres choses que la compète et la violence et écraser autrui, je sais pas. Il y a d'autres valeurs hein, que la victoire. Mais je me dis, au vu de la commu qu'on a là, il y a quand même beaucoup de papa-maman qui jouent avec leur gun. Donc je me dis, ce serait intéressant quand même d'en proposer une version que vous puissiez jouer vraiment avec vos enfants. Ce serait vraiment trop cool. Toi typiquement, je pense que tu es intéressé. Je sais que tu fais jouer un peu tes ptios. Oui, les jams poussent à se concentrer sur l'essentiel, oui. Et je trouve que c'est un super exercice de création et que peu importe la création qu'on fait, c'est un super truc à faire au moins une fois dans sa vie quand on est créateur. Mais bon, j'ai parlé avec un peu avec Grégory. Et c'est vrai qu'il va monter son gîte ludique et j'aimerais tellement qu'on fasse des jam sessions avec plusieurs créateurs. Ce serait ouf comme événement. Et j'avoue que moi, pour le moment, je baisse un peu les bras. Le game design en live, ça prend pas. Les gens n'osent pas participer assez. C'est un peu complexe pour les gens qui connaissent pas, donc ils n'osent pas parler. Ou alors, ben, c'est dur de reprendre en cours le projet. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. C'est pour ça que la game jam, ce serait une bonne technique, parce que la game jam, t'as pas besoin de reprendre le projet en cours. Tu vas le finir dans le jour parti, tu vois. Donc ça va, c'est facile à suivre, entre guillemets. Alors que c'est vrai que là, travailler le jeu sur long terme... En fait, je sais qu'on regarde mes trucs, mais en VOD, mais du coup, pourquoi le faire en live si vous regardez les VOD, tu vois, quitte à ce compte-là, autant que j'avance de mon côté et que je fasse du YouTube, c'est des questions que je me pose. La technique, c'est l'heure. Ah, t'as été censuré, il n'aime pas le mot violent, mais on va l'autoriser. On va mourir d'hypoglycémie. C'est bien que je non-violent, surtout que tu dis non-violent. C'est bien que je non-violent pour jouer avec ses enfants. Ouais. En ce moment, il y a Draconis sur Ulule, JDR non-violent de Agathe Studio. Bah c'est cool, nous on a joué à 4 il n'y a pas longtemps et c'est pareil, c'est quand même un univers qui propose une autre fraîcheur où on n'est pas obligé de travailler dans, encore une fois dans la violence et machin. Mais tu vois, ça se fait dans le JDR, ça se fait dans le jeu vidéo, hein. C'est des questions qui ont été posées depuis un moment dans le jeu vidéo et le jeu de figurines, ben, j'ai l'impression que... Désolé, ça veut dire ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que le jeu de figurines pour le moment se poser des questions, c'est pas trop leur délire. Hey, et pourquoi tu ne follow pas moi? Parce qu'ils t'aiment pas. Pourquoi personne me follow, moi? Moi, je te follow. Parce que moi, je te follow déjà. Toi, c'est la famille. Un groupe d'acteurs de films d'action en version ado, ouais, ce serait cool. Sigourney, Schwarzy, ouais, complètement. Mais vraiment, bah, pour surfer un peu comme sur le Stranger Things, hein, sur la nostalgie fin 80, début 90. Si on fait le jeu et qu'on l'illustre, pour de vrai, hors le streamer, parce que là, je pense que j'aime pas l'énergie de renvoyer tout à fond. C'était une erreur de le garder pour la fin. Merci. Mais bon, je voulais absolument finir la figurine pour l'offrir, quoi. Donc, c'est pour ça que j'avais mis en premier aussi. Ici, on est en event. Oh, on va faire un clown méchant. Ça fait peur, les clowns. Arrête de pisser. On ressort le laser. Merde, je suis en surchauffe. Je suis en surchauffe. On se retourne. Ah ouais, ouais, ça sent le maroilles. Attention. Quiche. Oh mais non, ta mère, c'est là. Putain, j'arrive mieux à dessiner des trucs creepy que des trucs mignons, c'est terrible. J'ai lu un article très intéressant sur pourquoi les clowns, même ceux normaux, pas dans les films d'horreur, font peur à beaucoup de gens. Ah ouais? Il fait des c'est surtout parce que avec le maquillage, il y a une dissonance par rapport aux micro-expressions faciales. Ah ouais, c'est creepy, du coup, comme quand tu vois un automate bien fait, mais pas assez bien fait. J'ai mangé un bonbon, ça me donne envie, là, ils sont devant ma tronche depuis tout à l'heure. Désolé, je mâche pendant une seconde. On dessine quoi? Vous voulez qu'on dessine quoi? Moi, j'ai envie de dessiner, ça me détend. On essaye de partir dans le délire... Igoné Weaver, mais en gamine. Yes, c'est chaud pour ça. Allez, vas-y, on essaye. C'est vrai? En gros, elle est là. C'est pour ça. En gros, il y a son bras. Son bras, il passe par en dessous, là. Et bon, je disais que le concept du jeu me plaisait bien. Donc, ce serait cool de le continuer, même après... même si on ne finit pas là, mais après... Tu aurais pu faire à la menthe, ouais. Non, mais bah, je ferais peut-être pas de partie. En plus, ils ont l'air tous occupés à essayer de récolter des dons. J'ai pas envie de les emmerder. Mais en fait, c'était une erreur de vouloir regarder ça à la fin. Parce que je suis un peu cané. Et puis là, c'est la course aux dons, quoi.
Surtout, comme je dis, je commence vraiment à être dur. Hein. Vraiment très peu de sommeil. Heureusement, on a bien mangé, on était bien nourris. Ouais, faut le continuer. Oui, bah surtout comme je disais à Guy, on est quand même pas mal nombreux dans la commune. Enfin, pas moi, mais il y a quand même pas mal de gars dans la commune qui sont papa ou maman. Bonjour, j'ai une question. Oui, chérie. Comment vas-tu? Ça va, je commence à canner un peu, mais ça va. Deuxième question. Comment est mon haleine? Ça va, t'as un bonbon ou je sais pas quoi, ça devrait passer mieux, mais... Ouais, ça va. C'est horrible, mais tu pues, ouais. Ouais. Je m'en rends, je me suis même pas intéressé à ce que tu faisais. Bah là, je me détends parce que je commence à craquer, donc je décide. C'était pas du tout prévu. Ah ouais? Ouais. À la base, on devait faire un jeu en live. Ah, toi, attends, j'en profite, t'es là. Dis-moi tout. Il y a un viewer qui a gagné le jeu de cartes. Je fais signer par tous les streamers. Ah. Choisis une carte et tu la dédicaces. Là, on a Paradox qui a été mon camarade pendant le JDR. C'est bien amusé. Ouais, c'était rigolo. Ouais. Je vous le montre un peu. Hello. Nico, t'abuses. On l'a vu derrière, il a fait un fuck. Ces figurines, c'est vraiment une exposition après pour toi ou tu... Non, normalement, je joue avec. Mais là, c'était pour offrir. C'est pour ça que j'ai mis un petit socle un peu joli. Beaucoup de détails. On va essayer de faire un truc sympa. Et du coup, il y a un pote qui est passé, il a mis 30 euros pour la gagner. Parce que c'est le plus gros donateur qu'il a. Là, il est parti, un autre pote qui est passé, il a mis 31 euros. C'est le jeu, hein. On a les amis qu'on mérite. Bon, on reprend notre cirgournée ado. Et c'est la première qualification. Bon, elle n'aura pas autant de charisme que la vraie, hein, parce que la vraie, elle a tellement de charisme. Bravo! Ça fait du bien dessiner. Ah oui. Pour ceux qui ne savent pas. Avec Guy, on a passé le stade où je dois plus fumer. Sauf que je suis trop crevé, je vais pas le faire. Mais du coup, à la place, j'ai débloqué le cadeau. Il y aura un vainqueur supplémentaire qui recevra des figurines. Voilà. Je pense que vous êtes gagnant et moi, ça m'arrange. Mais là, ouais, j'en peux plus. Là. Ça va, elle est ressemblante, on la voit Marie Play dans Alien 1 en mode ado. Ça va, moi je suis assez content en vrai. Ouf, j'ai envie d'une clope. J'atteins le palier où je fume plus, mais j'ai négoce. Docteur D, qui fait des figurines. C'est la figurine du Screamman. Ouais. Tu l'offres à qui? Un de mes viewers le plus généreux donateur. Gros fan, il est super. Et le petit nounours devant pour le petit clin d'œil. Et l'ouvrage. Merci. Et je crois même, je suis tellement canné que quand je vais relancer le stream, je vais même pas faire ce que j'ai prévu, je vais jouer à un jeu vidéo et puis c'est tout. On va faire comme tout le monde et puis c'est tout. Bon, je mets une pause sans horaire parce que ben j'en sais rien. Allez, tout à l'heure. Voilà, voilà. Je suis fatigué.